Deux minutes pour comprendre aujourd'hui la présence de sang dans le sperme. Je suis avec le professeur François Desgrandchamps. Vous êtes auteur de La prostate, on en parle. Quand on a du sang dans le sperme, il faut s'inquiéter. On est inquiet tout de suite, mais on a tort. On a tort. On a tort. Bon. Ça s'appelle l'hémospermie, le sang dans le sperme. Et en fait, dans l'immense majorité des cas, c'est dû à rien. C'est un peu comme quand on saigne du nez. C'est-à-dire que 70% du volume du sperme, c'est fait par les vésicules séminales. Et il y a des petits vaisseaux dans les vésicules séminales qui, de temps en temps, encore une fois, comme quand on saigne du nez, se mettent à saigner. Néanmoins, quand on a un patient qui a une hémospermie, il faut chercher les autres causes qui peuvent, elles, être graves, mais qui sont rarement trouvées. Si c'est une fois, bon. Même une fois. Même une fois. Même une fois, il faut faire un bilan complet. Okay. Le bilan complet, c'est regarder tous les organes qui participent à la formation du sperme. Donc, il faut regarder les testicules, être sûr qu'il n'y a pas de cancer du testicule en palpant la bourse pour voir s'il n'y a pas de nodules durs dans le testicule et en faisant une échographie, parce que les testicules font partie, bien sûr, au sperme. Deuxième organe qui participe au sperme, c'est la prostate. Et donc, il faut éliminer un cancer de la prostate par un dosage sanguin du PSA et un toucher rectal. Et puis, une fois qu'on a fait ça, si tout est normal, on laisse. Après, on ne sait pas comment traiter. L'hémospermie, il n'y a pas vraiment de traitement de l'hémospermie. On attend que ça passe. Mais ça peut durer longtemps. Et il y a une étude qui était japonaise qui a montré que ça pouvait durer plus d'un an. Répéter lorsqu'il y a des caillots dans la vésicule séminale ou lorsque l'utricule prostatique, qui est le vagin résiduel de l'homme, est très long. Toujours est-il que l'évolution d'une hémospermie, c'est d'abord du sang rouge et puis après, c'est du sang brun. Donc en fait, on peut avoir du sperme avec un peu de sang rouge et puis quelques semaines plus tard, un peu de sang brun. Donc c'est gênant, ça fait peur, mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais quand même, à condition d'éliminer, mais c'est quelques cas. Bien sûr, mais il faut toujours l'éliminer, même pour une seule hémospermie. Voilà. Donc dans tous les cas, si ça vous arrive, allez consulter, faites tous les examens et après, vous serez tranquille. À bientôt.